Bonjour à tous. Dans cette belle épreuve, la confiance est de mise avec le numéro 9, Jamin du Brion, qui n'a cessé de s'illustrer au printemps avec pas moins de 4 succès enregistrés durant le meeting vichysois. Ce protégé de Mathieu Abrivard vient d'effectuer une rentrée ferrée sur l'hippodrome de Chartres. Il est ce vendredi pieds nus et sur une distance sur laquelle il s'est imposé en février dernier. Même avec le 9 derrière la voiture, il ne devrait pas décevoir. Derrière, j'ai longtemps hésité entre le numéro 7, Joss Mazza, qui vaut mieux que son récent échec. Et le numéro 3, Duna di Girifalco, qui vient de renouer avec le succès. Je vais plutôt faire confiance à cette dernière nommée qui excelle sur ce type de distance. Cette Italienne d'origine se plaît sur le tracé de Vincennes, idéalement garée avec le 3 derrière la voiture. Elle doit pouvoir confirmer son récent succès. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la 7ème.